On parle aujourd'hui d'une injonction contradictoire qui n'est plus supportable. Alors, on demande en effet aux enfants de parler. Et les enfants se mettent à parler. Et de parler de ce qu'ils vivent, de parler de leurs souffrances, de parler de ce qu'ils ont vécu enfant. Mais si on n'est pas à la hauteur du courage de ces enfants, on les brise deux fois. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on mène une politique de protection de l'enfance. On fait des clips qui se veulent un peu rassurants parce qu'on a coché la case. Nous sommes là, parler, appeler le 119. Non, il faut qu'on soit à la hauteur dans ce grand pays qu'est la France, de protéger des enfants et d'aller au bout. Ça passe par des actes. Ça veut dire oser retirer un droit de visite ou un droit de garde quand on a des suspicions, quand on a des preuves. On ne peut pas continuer de dire à des enfants de parler et le nier derrière parce que vous le détruisez pour la vie. Et c'est des séquelles que toute la société paye toute la vie.